Bonjour. Joli. Tiens, il n'y en a qu'un seul aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? T'as un hérisson qui a été trouvé au bord de la route en pleine journée. Récupérer les petits mammifères blessés ou trop petits pour survivre dans la nature, c'est le travail de Catherine Pascot. Avec sa camionnette, elle se rend dans des points de collecte où les particuliers viennent les déposer. Je fais toute la Charente-Maritime, c'est-à-dire sur 8 points relais. Je collecte tous les jours les colis, on m'appelle sur mon téléphone. Et en ce moment, le téléphone sonne beaucoup, notamment pour récupérer de petits hérissons, de jeunes animaux qui trouvent refuge ici, sur le site du conseil départemental du Marais aux oiseaux, sur l'île d'Oléron. Bonjour Lucie. Ça va? Oui, je ramène un petit hérisson, collecte de l'espace nature. De Rochefort. Ok, d'accord, nickel, okay. Ben, on va le prendre en charge. Et c'est ici qu'intervient la responsable animalière du site. Bonjour. Après un rapide examen, le petit animal est pris en charge. Et elle confirme, cette année, elle accueille beaucoup de hérissons. On en a accueilli plus d'une centaine là, en l'espace d'un mois et demi. Heureusement, ça s'avère être très souvent des individus, si vous voulez, qui n'ont pas réussi à se vermifuger correctement, quoi. Donc, ils souffrent de maigreur, donc il suffit juste de les déparasiter. Et c'est ici, dans cette nurserie chauffée et plongée dans l'obscurité, que les petits pensionnaires vont pouvoir reprendre des forces jusqu'au printemps prochain. Pour le moment, aucune étude scientifique ne permet d'expliquer le phénomène. Mais une chose est sûre, ceux qui sont pris en charge ici seront sauvés. On a plus de la moitié des animaux qu'on accueille, qui sont quand même finalement, à la fin de leur convalescence, relâchés dans leur milieu naturel. Donc voilà, on est assez fiers de ça. Et si jamais ils sont handicapés et que leur état de santé ne le permet pas d'être relâchés dans un milieu naturel, ils peuvent rester aussi ici, au sein du Marais. Chaque année, le Marais aux oiseaux accueille entre 1500 et 2000 animaux, toutes espèces confondues.